Time we have been having differences amongst ourselves in that one party, the Communist Party of India, with regard to our attitude to the Indian bourgeoisie. That if man could evolve, then he will be able to fulfill manhood. He will be able to achieve all that he is seeking, knowledge, power and happiness. He is a failure of the left parties also, because they were not united. And they failed to organize the people. Some years back said that black marketeers, they must be hanged in open Maidan. 2% seulement des Indiens parlent l'anglais, resté langue officielle après la colonisation. Ces 2% parlent beaucoup. Ils parlent au nom de tous les autres. Politiciens, hommes d'affaires, intellectuels, fonctionnaires, tous m'ont exposé longuement leurs idées. Et tout de suite, j'ai senti que nous étions à côté de la question, à côté du réel. And many graduates. The soil is a problem of 2 million people who have come here. En apprenant l'anglais, ils avaient pris les habitudes de pensée, les manières de notre civilisation. Ils parlaient de leur pays selon un code, une logique, un alphabet d'occidental. Toutes leurs paroles, je les avais déjà entendues. Je les reconnaissais comme miennes. Vieilles idées, mots qui ont trop servi, comme ces oiseaux fatigués de voler qui se laissent prendre à la main, disait Nietzsche. And we would have to go into the history of the language, but let me assure you that Hindi is a very old language. Because in state control, it's nobody's baby. You see, the men at the top are all getting their monthly salaries. They are not interested. Jeudi 18 janvier, Delhi, premier jour de tournage. Nous sortons de la ville. Derrière une petite usine de banlieue, un terrain vague, complètement pelé, quelques touffes d'herbe, des femmes accroupies. L'une des femmes s'enfuit aussitôt, après nous avoir injuriés. On me traduit ses injures. Elle ne veut pas qu'on la photographie. Elle y voit un maléfice, un sort qu'on voudrait lui jeter. La photographier, c'est s'emparer d'elle, c'est lui voler tout ce qu'elle est. Cette impudeur fondamentale, je l'ai toujours ressentie, même à Paris, même avec des acteurs, même en studio. Ici, c'est pire. Ces femmes sont démunies de tout. Elles passent la matinée accroupies pour glaner quelques poignées de fourrage et je les dépouille un peu plus encore. Pour elles, nous sommes des martiens, des gens venus d'ailleurs qui rentrons sans permission dans leur univers. Notre caméra est une arme et elles ont peur de nous. Jeudi 25 janvier, des bergers la nuit sur la route d'Alvar. Nous sortons de l'ombre, caméra au point, comme des brigands. Les bergers nous regardent les filmer, un peu inquiets, un peu narquois.
Notre butin, quelques images, quelques mots, des rires. Nous ne savons rien d'eux, ils ne savent rien de nous. Ce sera cela, ce film. Une suite d'images et d'impressions recueillies sans scénario, sans idée préconçue. Un film de hasard, de rencontre. Comme ces tailleurs de pierre à la sortie d'un village. Ils semblent venus d'un autre âge, constructeurs de pyramides, esclaves d'une civilisation disparue. J'ai l'impression de rêver ce que je vois. Mais ce rêve n'est qu'à moi. Pour eux, tout est terriblement réel. Ils gagnent une demi-roupie par pierre et charrient 8 pierres par jour en moyenne. Mardi 9 avril, Mysore, 2h de l'après-midi. Le visage de l'homme est passé au noir de fumée. Un squelette est dessiné sur la peau nue de l'enfant. Ce sont des musulmans qui fêtent le Muharram. Cette danse traditionnelle s'appelle la danse du tigre. Mais c'est aussi un gagne-pain. L'homme et l'enfant gagnent leur vie en dansant. Entre nous, les mots sont impossibles. Notre seul lien, c'est l'image. Ils dansent, je les filme, c'est tout. Partout où nous allons, ce que je vois d'abord, ce sont les yeux, les regards. Les Indiens nous entourent, nous traquent. Nous étions venus pour les voir, et ce sont eux qui nous regardent. Alors nous avons préféré les filmer tels qu'ils étaient, avec leurs yeux immenses et multiples tournés vers nous, tournés vers l'œil unique de la caméra. Nous avons choisi de filmer tous ces regards, d'en faire le leitmotiv de notre voyage. Lundi 19 février, quelques groupes entourent un orchestre et des danseurs, c'est un mariage. Nous approchons et tout s'arrête. Les assistants abandonnent l'action et une fois de plus nous regardent. Les rôles sont renversés, c'est nous qui sommes devenus le spectacle et eux les spectateurs. Le marié, très jeune, avec son visage recouvert de poudre jaune, coiffé d'un chapeau à fleurs, attend que quelque chose se passe, que nous fassions quelque chose. Peu à peu pourtant, j'ai l'impression qu'on nous oublie. La cérémonie se poursuit, avec son rituel précis, immuable depuis des siècles. Cette éternité nous efface comme une tache sans importance dans la foule. Le marié va de porte en porte, on lui présente du riz et des offrandes. Ces hommes gagnent une roupie pour 150 briques, soit 75 centimes au change officiel, équivalence qui d'ailleurs ne veut rien dire dans un pays où tout est différent. Nous les filmons tels qu'ils sont, avec la répétition obsédante de leurs gestes, parce que là au moins il y a comme une sorte de vérité. Raconter qu'ils travaillent 10 ou 12 heures par jour, qu'ils habitent dans des huttes, qu'ils viennent des villages voisins, paysans sans terre et sans travail, cela ajoute-t-il quelque chose qui ne soit déjà dans l'image ?
samedi 2 mars. Ces paysannes prolétarisées, on me dit qu'elles sont des backward classeuses, euphémisme pour désigner les hors-castes, les intouchables. On les exploite, on leur vole leur vie. Cette scène qui pourrait susciter, comme souvent, une réflexion politique, je remarque que la caméra en a choisi un seul aspect. Elle revient sans cesse sur cette jeune fille, parce que nous ressentons sa beauté, sa grâce pudique, son rire, parce qu'elle nous éblouit, parce que c'était comme ça ce matin-là. Peu à peu, nous avons découvert la simple liberté de ne pas vouloir à l'avance, de ne pas décider ce qu'on va filmer, ni le sens de ce qu'on va filmer. Nous suivons la caméra, c'est elle qui nous guide. En tout cas, nous ne filmons pas pour vérifier une idée, pour la démontrer. Pendant 3 mois, nous avons suivi les arbres. Les routes sont mauvaises, mais les arbres sont magnifiques. Depuis des siècles, on les respecte. Souvent, on y élève des autels, on y loge des statuettes de Ganesh, fils de Shiva, dieu de la prospérité, à tête d'éléphant. Ce voyage, je l'ai décidé pour des raisons à moi. C'était une fuite, une rupture, un brusque détour. Et puis, très vite, la fuite est devenue une quête, un besoin de trouver ou de retrouver. On ne s'échappe pas en tournant un film. Occidental avec caméra, deux fois occidental. Dimanche 18 février. Nous avons vu les drapeaux, nous avons entendu la musique. Quand nous sommes arrivés, la fête était finie. Nous avons vu des prêtres distribuer de la nourriture à des mendiants. Ou tout au moins, c'est ce que nous avons cru voir. Renseignement pris, ces hommes et ces femmes en guenilles ne sont pas des mendiants, mais des paysans brahmines, venus des villages voisins pour cette cérémonie au dieu Shiva qui va durer plusieurs jours. Étant brahmines, ils occupent le rang le plus élevé dans la hiérarchie des castes. Ils ne sont pas pour cela les plus riches, mais les plus respectés. Les autres paysans se tiennent à distance convenable. Ils ne sauraient partager le repas des brahmines. Savoir qu'un indien est brahmine ne suffit pas à le situer dans la société indienne. Il y a plus de 1800 subdivisions de la caste brahmine. D'un groupe à l'autre, ils ne peuvent se marier entre eux ni même souvent partager un repas. La logique occidentale s'y perd. Il faudrait une connaissance intuitive. Il faudrait vivre nous-mêmes ce phénomène, être à l'intérieur, en faire partie. Les Indiens sont catholiques, des forains en représentation. Un cycliste qui tourne sans jamais descendre de sa machine, un travesti trop maquillé, une musique qui n'a rien d'indien, un Christ parmi les dieux hindous sur le petit autel, on dirait une atmosphère pour Fellini. Une atmosphère équivoque, impudique, tout à fait invraisemblable dans une Inde qui ne cesse de nous frapper par son puritanisme. L'insolite pour moi, c'est justement de ne plus être dépaysé, de retrouver l'Europe au bord du Kerala. Yeah.
ஒத்திவை அந்நிய கடனை ஒத்திவை அந்நிய கடனை ஒத்திவை கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஜிந்தாபாத் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஜிந்தாபாத் காந்தி விலையை உயர்த்தாதே காந்தி விலையை உயர்த்தாதே காந்தி விலையை உயர்த்தாதே காந்தி விலையை உயர்த்தாதே Vendredi 5 avril, une manifestation communiste. On me dit que ce sont des postiers qui protestent contre l'augmentation des timbres-poste. Ça paraît étrange et en même temps bien aimable de leur part. Ils scandent des slogans, toujours les mêmes. On entend tout le temps Zindabad, cela veut dire vive. Vive le Parti communiste, vive le syndicat des postiers, vive le Viet Cong. Je ne crois pas à cette histoire de timbres-poste. Je vois qu'on se méfie de nous. On nous a pris souvent pour des espions américains, des informateurs du CIA. C'est vrai, j'ai parfois l'impression d'être un flic, comme si tout mon film était une filature, une enquête dont l'objet m'échapperait. Vendredi 8 mars, dans le sud, pas très loin d'un village, nous tombons sur un grand rassemblement de charognards. Le cadavre est là, au bord de la route, c'est un buffle, encore presque intact. Cette scène, nous l'avons vue souvent. Dans beaucoup d'états de l'Inde, pour des raisons religieuses, il est interdit d'abattre les bovidés. Ils meurent tout de même, de vieillesse, de maladie, de faim, ce qu'on appelle une mort naturelle. Sur le cadavre, un chien se serre le premier. Les vautours attendent, ils ont le temps.
Quand je revois aujourd'hui cette scène, je m'aperçois que nous avons réagi suivant les schémas de notre culture. Autour de nous, le paysage rappelait la Grèce, baigné dans une grandeur austère qui faisait croire à quelques sacrifices mystérieux. Pour nous, c'était une tragédie, un drame en plusieurs actes. Pour l'Indien qui nous accompagnait, il n'y avait au contraire qu'une scène banale, l'image de la vie et de la mort, leur tranquille alternance. Il n'y avait rien à filmer, rien d'extraordinaire. Au fur et à mesure que nous entrons dans le sud, nous trouvons de plus en plus souvent à l'entrée des villages des groupes de statues, animaux géants, des chevaux surtout. Ce sont les divinités protectrices des villages, les dieux tutélaires. Dans le sud, la religion est partout, mêlée à la vie quotidienne. Ici, un bijoutier donne une fête à ses amis et à ses parents. Le folklore, comme nous le voyons en Occident, c'est le maintien ou la renaissance des coutumes anciennes. Pour qu'il y ait folklore, il faut qu'il y ait des touristes. Et en Inde, il n'y a pratiquement pas de touristes. Les gestes, les attitudes, les cérémonies, tout se passe au présent, au mode indicatif, au mode du réel. Le film, une fois fini, monté, projeté, on peut y trouver du folklore. Mais c'est nous, c'est vous qui l'aurons inventé. Des dessins qui ont un sens rituel, on en retrouve partout en Inde, sur les portes des maisons, dans la rue, sur les murs, dans les habitations. Les femmes qui les exécutent ne se permettent que d'infimes variations sur des thèmes symboliques précis. Là où nous retirons une satisfaction esthétique, où nous voyons une décoration florale à la manière abstraite, ces femmes sentent et ressentent une relation avec le divin. Elles dessinent pour qu'un dieu vienne. Les Indiennes sont très belles, surtout dans les villages du sud. Celles-ci appartiennent à un groupe d'origine tribale qui s'est intégré dans le système des castes, les Lambranis. Elles portent des tissus très vifs, où le rouge domine, incrustés de petits miroirs, comme les tissus du Gujarat. À leur nez, leurs oreilles, leurs coups, leurs poignets, leurs chevilles, partout des bijoux d'argent massif. Elles portent leur fortune sur elles. À côté des billets d'une roupie, sales, fripées, qui passent de main en main, il y a cette richesse que portent partout les femmes et qu'on ne comprend pas dans un pays si pauvre.
On danse beaucoup en Inde. Pourtant, c'est très rarement que nous avons vu des danses où se mêlaient les deux sexes. C'est peut-être le mystère d'une société encore essentiellement rurale, où règne un système social immuable. Chacun sait ce que sera sa vie dès son plus jeune âge. Tout est tracé à l'avance, même les mariages, dans les limites précises de la caste, de la sous-caste ou de la famille. Un important décorum, une fête un peu triste pour beaucoup d'argent dépensé, et plus que tout, le visage grave de la mariée. Tous ces mariages avaient quelque chose de poignant, mais c'était peut-être encore une idée d'occidental. Nous avons passé 5 mois en Inde sans jamais voir l'amour, sans jamais voir un homme se retourner sur une femme, sans jamais entendre un sifflement, ni surprendre un geste tendre ou provoquant, comme s'il n'y avait qu'un seul sexe. Une fois pourtant, dans les tout derniers jours à Bombay, nous sommes tombés sur cette fille et ce garçon en train de flirter. Nous les avons filmés religieusement, ces deux amoureux. Je vous les montre comme le plus précieux de nos documents, un document unique. Ailleurs, dans la rue, nous avons presque toujours vu les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il n'y a presque jamais dans les journaux indiens de faits divers à caractère sexuel, actes sadiques, viols, exhibitionnisme, etc. Tous les dimanches, les journaux indiens consacrent des pages entières aux petites annonces de mariage. Ce ne sont pas des appels personnels, de cœur à cœur. Il y a des conditions. Je lis par exemple. On demande jeune fille accomplie, de teint clair, non kusika, pour célibataire Mazanath Brahakaranam, 34 ans, employé du gouvernement. Envoyé horoscope. Ce mariage n'est donc pas une question de personne. C'est d'abord un problème de caste, puisque la jeune fille ne doit pas être kusika pour pouvoir épouser le jeune homme de la sous-caste Mazanath Brahakaranam. Quant à l'horoscope, impérativement demandé, il coupe aussi les ailes à tout coup de foudre. La peau claire est aussi une condition fréquemment exigée. On est en pleine relativité dans ce pays où tout le monde a la peau plus ou moins cuivrée. Mais on y attache surtout dans les bonnes castes une importance considérable. Dans le nord de l'Inde en particulier, la naissance dans une bonne famille d'un enfant à la peau sombre représente une calamité. Samedi 17 février, Konarak, un gigantesque char du soleil sur 12 roues de pierre de 3 mètres de haut. Commencé au 13e siècle, il n'a jamais été complètement terminé. Ce temple est célèbre pour ses innombrables bas-reliefs de toute taille qui illustrent les fameux Kama Sutra, encyclopédie indienne des techniques érotiques. Les touristes indiens écoutent tranquillement le guide. Apparemment, rien ne les choque. Est-ce une attitude? L'Angleterre victorienne est passée par là avec son puritanisme. Elle a profondément marqué l'Inde. Dans les films indiens, on ne voit toujours pas de baiser à l'écran. C'est défendu par la censure. Thank you.
Dans cette foule indienne, nous rencontrons deux jeunes Français. Ils appartiennent à cette confrérie internationale des voyageurs sans bagages et sans argent, que les journalistes appellent beatnik ou hippie. Il y a beaucoup d'Européens qui arrivent ici et qui sont touchés par la grâce, quoi. 15 jours après qu'ils sont arrivés en Inde, ils se prétendent bouddhistes, hindouistes. Il y en a justement qui voyagent bêtement, c'est le hashish tout le temps, ils voient que ça, quoi, se fumer toute la journée, rester dans leur coin, ils bougent pas, tout ce qu'ils trouvent d'agréable dans le voyage, quoi, c'est ceux qui peuvent fumer librement, c'est tout, quoi, ça s'arrête là. C'est-à-dire pour beaucoup de gens, ils considèrent la drogue, pour eux c'est une fin en soi, c'est pas un moyen finalement, parce que le hashish ça peut être un moyen pour être plus accessible à la musique, pour être plus accessible à la poésie, à l'amour, je ne sais pas, mais ça peut être en effet un moyen. Mais pour beaucoup de gens, c'est le but final. On fume le hashish, on est libre, on est heureux. L'Inde, c'est trop beau, c'est trop de choses, on a envie d'y rester. On comptait y rester seulement 3 mois et demi, 4 mois, mais maintenant qu'on y est, on n'a plus envie de partir du tout. Je sais pas, on a pris ce rythme de vie qu'ont les Indiens, on a pris ce... On est parti de France, quand même on avait encore les défauts de la société occidentale, on était plus ou moins égoïste, on était plus ou moins individualiste, tu comprends? Et ici, tu t'aperçois que l'argent, c'est rien. Les Américains, on voit des gens là, avec leur Peace Corps et tout, en voulant amener les gens à faire la pêche intensive et tout, mais enfin les Indiens ça les intéresse pas, ils vivent, ils ont suffisamment pour vivre comme ça, ils n'ont pas besoin de plus, enfin, ils n'éprouvent pas la nécessité d'en avoir plus. Oui, c'est un trait du caractère de l'Indien, quoi. Il ne travaillera pas plus qu'il n'a besoin. Le plus pauvre, un Rick Showman, il ne voudra pas... On lui demandera, vous voulez m'amener là-bas? Il dira non, parce qu'il n'en a pas envie, parce que même si vous lui donnez de l'argent, il n'en a pas envie. Il a ses 3 roupies pour vivre par jour, et il n'en a pas besoin de 4. Le pêcheur, il pêchera son kilo de poisson par jour, et s'il a la possibilité d'en pêcher 2, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Pour avoir plus d'argent? Ça ne l'intéresse pas. Il ne cherche pas à amasser l'argent. L'argent ne vous intéresse pas? Non, absolument pas. Okay. Malheureusement, nous en avons encore besoin. C'est-à-dire que quand on voyage, quand on est dans la société moderne comme elle est, la société occidentale et tout, il faut de l'argent pour vivre, pas de problème, on ne peut pas vivre sans argent. Et vous voudriez le supprimer? Eh oui, mais parce qu'on vivrait dans une autre, on ferait une autre société, ça serait quand même une petite société à part, quoi. Ça n'a rien à voir avec la société moderne, quoi. Capitalisme et compagnie, quoi. Dans la phalanctère, si on a assez pour vivre, on n'a pas besoin de plus. On ne veut pas produire pour vendre à l'extérieur ou n'importe quoi. Non, tout ce qu'on a, c'est pour nous. Il nous faut suffisamment pour nous. On n'a pas besoin d'avoir des extras ou je sais pas. Cultivant la terre, en faisant nos tables, en faisant nos meubles, en reliant nos bouquins nous-mêmes. Comprendre, nous ne serons plus une bande d'intellectuels poussiéreux, ça c'est fini. Les bouquins, les grandes pensées et tout, il faudra savoir cultiver une terre, tu comprends, seule religion qu'il y aura, ce sera la religion de l'amour, de l'amitié, de la vie. Si ça réussit, peut-être quelqu'un dira oui, c'est une bonne idée, je vais faire pareil là-bas, et puis un autre dira je vais faire, peut-être il y en aura beaucoup. À Madras, nous avons retrouvé Bernard et Didier 3 semaines après. Ils avaient beaucoup changé. C'est-à-dire que, au fur et à mesure qu'on est descendu, le climat a commencé à devenir un peu plus dur. Maintenant, je suis tombé malade en arrivant ici. Depuis que je suis arrivé à Madras, je ne mange plus, je vomis, j'ai des maux de tête et tout. Ah, tu as décidé de rentrer? Oui, j'ai décidé de rentrer. J'ai créé mes parents qui m'ont envoyé de l'argent, qui m'ont payé le billet d'avion. Alors il s'est mis dans la tête de rentrer, ouais, je voulais pas avoir affaire aux hôpitaux indiens ou aux médecines indiennes. Rentrer comme ça, du jour au lendemain, de se retrouver de Madras à Paris, je crois que ça va me faire un rôle d'effet. Et moi, je m'en vais à Goa.
seul? Tout seul, comme un grand. Il est rentré par Goa et remonté à Delhi? Goa, Delhi, oui. Puis après, le Pakistan. Jeune Suédois, Allemand, Anglais, Australien, partis de tous les horizons du monde industrialisé, ils sont venus chercher autre chose, comme moi. Mais ni les uns ni les autres, nous n'échappons à nos civilisations. J'ai peur qu'ils rêvent l'Inde, comme je la rêve moi-même. À Goa, sur l'une des immenses plages où vivent des colonies de hippies, l'un d'eux, un Italien naturiste, nous a raconté son désenchantement. Qu'est-ce que tu cherchais? Tu me fais une idée? Je sais pas, j'ai cherché une façon de vivre. Pour moi, apprendre à vivre, par exemple, d'une certaine façon. Avoir une vie aussi spirituelle qu'en Italie, ça m'a manqué. J'ai senti que ça m'a manqué, qu'il avait quelque autre chose à faire, quelque chose d'autre. Oui. Et je suis venu au centre pour chercher ça, mais ça, je n'ai pas trouvé. Non, mais peut-être parce que ce que j'ai cherché, c'était une idée à moi, c'était quelque chose, je sais pas, c'était une idée à moi. C'était une idée que je me suis fait dans la tête, comme ça, en lisant des livres. Par exemple, ça m'a intéressé beaucoup, c'est la vie de Gandhi. Ça m'intéressait vraiment, mais après ici, ce que c'est Gandhi et l'idée de Gandhi, ou pas, on ne trouve plus. Oui, l'Inde n'est pas facile pour un étranger. Cela a commencé à la location de la voiture, une américaine. Chose exceptionnelle en Inde où l'on ne trouve pratiquement aucun véhicule d'importation récente. Les pneus étaient usés à la corde. Le directeur de l'agence de location nous dit qu'on va les changer, mais il y a un problème. Il n'y a pas de pneus de cette dimension en Inde, on n'en fabrique pas. Mais on va en trouver qui auront à peu près le même diamètre. C'est à peu près, cela veut dire que nous allons crever ou éclater une dizaine de fois en 2 mois. Et toujours ce sera la même scène. 10 mécaniciens démontent, remontent et puis démontent encore le pneu pour tenter de résoudre l'impossible problème de la quadrature de la jante. Ils ont une patience infinie, le temps n'a pas l'air d'exister. Cela peut prendre une après-midi. Une fois ou deux, parce que l'Occident nous a mal élevés, nous avons piqué une colère. Un vilain réflexe est tout à fait inutile. Mardi 27 février. Je me suis réveillé très tôt. La lumière est encore indécise, très douce et triste comme souvent sous les tropiques. Brusquement, je me retrouve 15 ans en arrière, au petit matin de la mer Rouge et des îles Seychelles, sur des plages comme celle-ci. J'avais 20 ans, je tournais mon premier film, les tropiques m'émerveillaient, le monde entier me paraissait une promesse de bonheur. Du coup, je ne vois plus ces pêcheurs devant moi, ils sont remplacés par d'autres. Encore une fois, je me retrouve au temps de la mémoire. Encore une fois, je n'arrive pas à vivre au même moment que les choses, à les sentir, à les toucher. Déjà, aux Seychelles, la réalité m'échappait. Cet accord fugitif entre les hommes, la lumière, les paysages, il fallait que je le réinvente, que je le modifie, que j'y projette mes rêves et mes souvenirs, que je le détruise. Occidental, cinéaste, dompteur du temps, esclave du temps.
Le soleil est maintenant plus haut. La pêche est médiocre, comme souvent sur la côte de Madras. Nous filmons les visages, l'ordre et la beauté des choses. Et puis brusquement la scène change. Un étranger se mêle aux pêcheurs. Sa peau est plus claire, il est habillé comme un citadin. Il discute. Il est venu acheter le poisson. Il va l'emmener sur sa bicyclette pour le vendre à la ville voisine. Ce n'est pas un gros commerçant, mais pour les pêcheurs, ici comme dans le monde entier, c'est tout de même l'ennemi, l'intermédiaire, celui qui ne paye pas le prix. Alors c'est la bagarre pour quelques centimes. Et c'est toujours la même histoire qui recommence, la vieille histoire de l'exploitation. Ces pêcheurs forment une caste à part, ou plutôt une non-caste, impure, intouchable. Ils vivent à même le sable, dans des huttes de feuillage ou à la belle étoile. De temps en temps, ils vont plus loin, sur cette plage de 20 km, et puis ils reviennent. Ce ne sont pas des marins. Ils ne savent pêcher que du rivage. Ils ont toujours fait comme ça. Une autre dispute recommence, toujours une affaire d'argent. La femme est la complice de l'homme à la bicyclette, l'allié du marchand. Ne var mı acar?
ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ನೀ ಅಂದ್ ಡಬ್ಬಿ ಕಾಚಿಕೋ ಕಾಣಾನ Voilà ce film. D'un côté des réflexions, un monde à moi, entièrement subjectif. De l'autre, le contraire. Des réalités économiques qui ne veulent pas que je rêve. Sans arrêt, j'ai fait l'aller-retour, des choses à moi, de moi aux choses. Presque toujours, la réalité a pris le dessus. ಸರ್